Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue. Le Seigneur nous accueille dans sa présence. Il nous convoque. Soyons attentifs. Adorons-le. Et prenons le temps pour écouter et pour méditer sa parole ce soir. Offrons à Dieu notre adoration. Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Frères et sœurs, nous sommes dans la présence de notre Dieu, avec un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes.
Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant accueillir la parole de Dieu et nous allons méditer sur les paroles du psaume 78. Écoutons et méditons sur les paroles psaume 78, versets 40 à 72. Que de fois il se révolte contre lui dans les déserts, que de fois il l'irriteront dans la solitude. Ils ne cesseront de tenter Dieu et de provoquer le Saint Israël. Ils ne se souviendront pas de sa puissance du jour où il délivra de l'ennemi, des miracles qu'il a accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsouan. Ils changeront leurs fleuves en sang et ils ne pourront en boire les eaux. Il envoya contre eux de mouches venimeuses qui les dévoreront et de grenouilles qui les détruiront. Il livra leur récolte aux souterrains, le produit de leur travail aux souterrains. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leur troupeau au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une trompe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il le sauva par leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les prémunis en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il le conduisit comme un troupeau dans les déserts. Il le dirigea sûrement pour qu'il fût sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a accusée. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tenteront les dieux très hauts et se révolteront contre lui et ils n'observeront point ses ordonnances. Ils s'éloigneront en fuyant infidèles comme leur père. Ils tourneront comme un acte trompeur. Ils l'irriteront par leur haut lieu et ils exciteront sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage.
Le fait de voir ces jeunes hommes et ces vierges ne feront pas célébrer. Ces sacrificateurs tomberont par l'épée et ces veuves ne pleureront pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitant pour lui faire paître Jacob, son peuple et Israël son héritage. Et David le dirigeait avec un cœur intègre et le conduisait avec des mains intelligentes. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme il était du commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Nous accueillons la lecture de l'Ancien Testament. Écoutons la première lecture tirée des deux rois, chapitre 1, le verset 2 à 17. Or, Akasia tomba par les traîtrises de sa chambre, ou à sa mari, et il en fut malade. Il fit portier des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul, Dieu des cons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishib, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu des cons? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté quand tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournant auprès d'Akasha et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous ? » Il lui répondit, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui ainsi pour l'Éternel, « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des cons ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté quand tu mourras. » Akasha leur dit, quel air avait cet homme qui est monté vers votre rencontre, à votre rencontre, et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akasha dit, c'est Élie le Tishib. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit descendre. Il répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel, et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akasha envoya de nouveau vers lui un autre chef des 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi. « Hâte-toi de descendre. » Et lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akasha envoya de nouveau une troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Et il lui dit, en suppliant, homme de Dieu, que ma vie je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel, et a consumé les deux premiers chefs, de 50 et les 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Et Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi Paul l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, Dieu des crons, comme il n'y en avait point de Dieu
dont on puisse consulter la parole qui ne descendra pas du lit chez laquelle tu es monté quand tu mourras. Akasha mourit selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture selon les Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du premier verset. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit : Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. Le souverain sacrificateur, Ananias, donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit : Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. Ceux qui étaient là dirent : Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit : Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit : Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin : Frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent, engagèrent un vif débat et dirent : Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé ? Comme la dispute allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par eux, donna l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit : Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs fomentèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ceux qui avaient fait ce complot étaient plus que 40. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur dire : Nous nous sommes engagés sous peine d'anathème à ne goûter d'aucune nourriture avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant, d'accord avec le Sanhédrin, adressez-vous au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous deviez examiner son cas plus exactement, et nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche. Le fils de la sœur de Paul entendit parler de guet-apens et se rendit à la forteresse, où il entra pour en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et lui dit : Conduis ce jeune homme vers le tribun, car il y a quelque chose à lui annoncer. Le centenier le prit donc avec lui.
le conduisit vers le tribun et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a demandé de conduire vers toi ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun le prit par la main et, se retirant à l'écart, s'informa, « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit, « Les Juifs se sont mis d'accord pour te demander d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme s'il devait s'informer plus exactement de son cas. N'écoute pas leur demande, car plus de 40 d'entre eux préparent un guet-apens contre lui et se sont engagés sous peine d'anathème de ne pas manger ni boire avant de l'avoir tué. Ils sont prêts maintenant et n'attendent que ton consentement. » Le tribun congédia le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce qu'il lui avait fait savoir. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit, « Tenez prêts 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers pour aller dès la troisième heure de la nuit jusqu'à Césarée. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous accompagner dans une petite méditation sur le psaume de ce soir, le psaume 78. Nous avons eu la première partie de ce psaume dans l'office du matin, aujourd'hui. Et ce soir, nous avons entendu la deuxième partie. Dans la première partie, ça, les psaumes-là, le psalmiste, Lynn, rappelle-nous de bonne action fort, bonne et glorieuse de Dieu dans l'histoire. Il dit nous qui est Dieu interpelle ben croyant en rappelant les enfants d'Israël et les ben ancêtres, et nos ben ancêtres, mais que Zotfin oublie ben l'enseignement de Dieu. Zotfin oublier tout ce qu'ils Zotfin recevoir comme l'histoire qui montrait le bon merveille, ou bien le bon merveille qui se finit être témoin au désert, comme c'était aussi depuis l'Égypte que Dieu y était. Au verset 3 de ce psaume, de la partie qui nous gagnait ce matin, il dit nous ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et ses merveilles qu'il a accomplies. Mais le peuple que Dieu fait choisir et que Dieu fait choisir pour libérer les autres de l'esclavage, les autres fait manque de foi et de confiance dans le secours de Dieu. Mais malgré cette révolte et ce bon péché persistant, la clémence et la miséricorde de Dieu finissent rester intactes. Nous lisons dans verset 36, « Cependant, ils le trompaient de la bouche, ça veut dire les enfants d'Israël, le trompaient de la bouche. Ils lui mentaient de la langue, leur cœur ne l'y était pas fermement attaché et il n'était pas fidèle à son alliance. Pourtant, lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'ils n'étaient que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. » Ça,
C'était qui nous gagnait ce matin dans la première partie de ce psaume. La deuxième partie de ce psaume, qui nous gagnait encore ce soir, qui en fait continue nos méditations, il y en a un verset en particulier qui, comment dire, il fait un peu comme une charnière, un gond entre les deux parties. Et c'est le verset 53. Qui raconte nous une traversée salutaire pour les Israélites, mais cette traversée-là, c'était aussi une impasse pour ce bon l'ennemi. Alors, écoute cette verset-là, on peut en lire à partir du verset 52. Il avait fait partir son peuple comme des brebis. Il les avait conduits comme un troupeau dans le désert. 53. Il les avait guidés en toute sécurité, pour qu'il soit sans crainte, et la mer avait recouvert leurs ennemis. Il les avait amenés sur son saint territoire jusqu'à la montagne que sa main droite avait conquise. Donc, l'image qui nous gagne de Dieu, c'est qu'il est un Dieu d'inclusion. Il n'est pas exclu personne. L'inclusion, c'est sa nature, on est capable de dire. Et c'est clair, et c'est net, comment il fait conduire son peuple comme le berger guide son troupeau. Et le psalmiste, dans ce psaume-là, lui relève, lui donne plusieurs étapes, comment Dieu fait agir avec le peuple infidèle, pour qu'il soit capable de bâtir son sanctuaire sur la terre. Et le psalmiste lui raconte nous une action et une révolte que le peuple finalement envers Dieu. Une action qui n'est pas correcte du tout. Il raconte nous une bonne infidélité. Il raconte nous une bonne culte idolatrique que Dieu fait besoin de subir. Et cette méditation sur le passé d'infidélité du peuple d'Israël et de miséricorde ou bien compassion de Dieu pour son peuple, un peuple imprudent, lui permet nous continue-t-il le son pour nous-mêmes aujourd'hui? Ça veut dire, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il est important que nous fassions une relecture de ce psaume pour que nous soyons capables de trouver comment appliquer aujourd'hui dans notre circonstance de vie à l'air que nous pouvons vivre. Ça, relecture-là, il peut permettre nous entrevoir quelque chose de très important. Il permet nous entrevoir la figure de Jésus-Christ, libérateur, qui a l'œuvre dans l'histoire, même depuis l'époque qui sort les psaumes-là, finalement écrit. Et en particulier, quand ce psaume lui montre nous un David, au verset 70, David, à la fois un serviteur choisi, qui descend depuis la tribu choisie. Nous connaissons dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu fait un choix. Il fait un choix de ce peuple-là, de cette nation, et de ce peuple-là, il fait un choix aussi de certaines personnes clés à travers qui l'Hippo révèle lui-même à l'humanité. Et sur la relecture de ce psaume-là, il renvoie-nous à l'Évangile, par exemple, Jean chapitre 10, que Jésus lui raconte sur le bon berger. Et dans Jean chapitre 10, Jésus lui dit lui-même le bon berger.
En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Saint Jean dit nous, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Toujours les disciples, comme beaucoup de nous aussi aujourd'hui, sont en difficulté à saisir la leçon que Jésus enseigne nous. Mais quand nous lisons le psaume, il nous fait une relecture dans le contexte du temps qui nous peut vivre, dans l'ère après Jésus-Christ, nous trouvons Jésus qui nous vient le bon berger. Il nous vient le bon berger de l'humanité. Il nous vient ce guide qui, comme s'il vient réveil, il vient fait-nous prendre conscience, aide-nous pour nous capables de vaincre comme une tempête quand nous passons l'autre côté du rive. Lui-même, sa haine qui vient donner la main. Il donne la main à celui qui est enfoncé dans de l'eau, comme on dit, dans le gouffre de la mort. Il est celui qui donne nous la manne, le pain du ciel, lui-même en devenant le pain de vie. Il vient comme sa haine qui vient après David, Messie et roi, selon le projet de Dieu. Et Dieu, dans cette histoire, nous trouvait que les pour renouvelle encore, aujourd'hui et demain, son peuple, comment les fins déjà renouvelées dans le passé. En voyant le Christ Jésus dans ce psaume, nous prend conscience que l'Église que nous sommes, cette communauté qu'il convoque, en tant que peuple de l'Alliance nouvelle, cette communauté est demandée d'écouter l'enseignement des merveilles d'un Dieu qui révèle lui-même dans l'histoire. Cette communauté, ça veut dire l'Église, nous, est invitée à mettre en pratique ce bon enseignement-là, un enseignement que nous recevons, plutôt que nous mettre nous-mêmes en opposition à ce bon enseignement, et venir un blocage. En même temps, nous oublions le mystère de Dieu et nous oublions aussi nos histoires personnelles, nos histoires du salut en Jésus-Christ qui est inséré dans la grande histoire que Dieu fait manifester dans le monde. Le psaume 78, donc, est une méditation qui cherche vraiment à percevoir la sagesse de Dieu en tirant une leçon de l'histoire, en prenant en considération des péchés du peuple de Dieu et de bons sentiments. Ce psaume, frères et sœurs, lui reste actualité en ce qu'il appelle, il nous appelle à proclamer et à transmettre sans cesse la réalité des actions glorieuses de Dieu. Et ce psaume lui ose, interpelle le croyant, lors de son bonne réaction d'éloignement de Dieu, ou bien encore d'abandon de la fidélité
à l'alliance que Dieu fit créer avec nous en son Fils Jésus-Christ. Dieu, le roc et Seigneur libérateur, il libère son peuple de l'oppression et il révèle lui-même comme un Dieu pasteur qui vient chercher, qui vient guérir, qui vient libérer. Ce Dieu pasteur qui accompagne son peuple, ce Dieu guide, qui guide son peuple de jour comme de nuit. Il guide nous vers la confiance. Donc, ce Dieu qui en Jésus-Christ manifeste lui-même dans le monde est là toujours et sera là toujours pour guider toute l'humanité. Laisse-moi terminer encore avec ces versets qui vont commencer avec. Pour rappelle-nous le devoir qui nous est de ne pas oublier l'histoire, mais en même temps aussi de faire une relecture de cette histoire avec un regard nouveau sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Encore, ça veut dire verset 3 de ce psaume 78, « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. » Que ce soit ainsi pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Esprit Saint nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu qui donne la preuve la plus sûre de ta puissance lorsque tu prends pitié et pardonnes, répands sur nous la plénitude de ta grâce quand nous attend vers les biens que tu promets. Nous ayons part aux richesses du royaume, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons à Dieu de nous protéger par cette prière. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent,
et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions aussi pour que le Christ reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons dire ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir la grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons clôturer ce temps de prière avec la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce du Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci frères et sœurs de votre présence et merci aussi de prier avec moi. Pour terminer cette journée. Je dis un grand merci à ceux qui ont participé avec les lectures, le psaume et la lecture de ce soir. Et merci aussi à Révérend Didier pour son assistance. Que le Seigneur nous accorde joie et paix dans sa présence et dans le ministère qu'il a confié à chacun de nous. C'est en son nom que nous demandons cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à vous tous.